Docteur Hassane Diop, président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'on a essayé de passer en revue les difficultés que les pharmaciens d'officine rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions avec les inspecteurs du commerce à Saint-Louis comme un peu partout au Sénégal. Nous avons passé en revue les infractions, ce que en tout cas les inspecteurs appellent infractions, commises par le pharmacien dans l'exercice de ses fonctions. Nous avons également eu l'occasion de revoir les textes pour voir si effectivement le pharmacien ne doit être considéré qu'un simple commerçant. Et à notre humble avis, et de l'avis aussi de la direction du commerce, l'exercice de la pharmacie répond d'abord à une mission de santé publique. Et que donc, tout ce que fait le pharmacien ne sort pas de l'activité de mission de santé publique. Et considérant cela, il nous pose problème aujourd'hui de constater que tous les contrôles, les inspections effectuées par le ministère du Commerce au niveau des officines doivent obligatoirement déboucher à des sanctions pécuniaires. Et on se pose la question à savoir, est-ce que le pharmacien est un délinquant qu'il faut contrôler et sanctionner à tout bout de champ? Nous pensons que non. Nous pensons que cette mission de santé publique du pharmacien doit prendre le dessus sur l'activité commerciale. Et pour cela, à terme, ce que nous demandons, ce que nous voulons, c'est que ce contrôle soit effectué exclusivement par le pharmacien inspecteur, donc par le ministère de la Santé, qui ont aujourd'hui compétence, ces inspecteurs, sur le contrôle du prix, sur le contrôle de la qualité, sur le respect des textes et lois qui organisent la profession pharmaceutique. Et ça, ce n'est pas la première fois. Ça fait 10, 15, 20 ans que nous demandons à ce que les textes soient révisés et adaptés à la réalité et à l'exercice du métier de pharmacien. Et comme vous l'avez si bien dit, je crois que régler ce problème, trancher, c'est aller vers une révision des textes et clarifier de manière précise le rôle de chacun. Et nous pensons qu'il est important aujourd'hui d'en arriver là parce que autant le ministère du Commerce intérieur que le pharmacien dans l'issue de ses fonctions, nous avons un seul objectif qui est de rendre le médicament sûr et disponible. Donc la protection du consommateur doit être aujourd'hui de mise et nous avons normalement des objectifs convergents. Malheureusement, nous constatons que les objectifs paraissent être divergents alors que nous avons des objectifs convergents et qui a, comme je dis, pour seul objectif de rendre le médicament disponible et le médicament de qualité. Tay pharmaciens yi ñoo dajalé ñi jité pharmaciens yi muy ordre syndicat direction de la pharmacie ak ministère du commerce ñeu ngir waxtaan ci li nga xamné ñu koy dundu ay atégué ni moy lan moy inspecteur du commerce bi dina jaar pharmacie yeen sa ñu yagg fa lol dafa 4 heures de temps 3 heures de temps pour sét ndax amna garab bu périmé pour sét ndagam prix yi yokku ci deureum wala ñaar deureum ñu japp ni nak né tay ji pharmacien bi ministère du commerce ñoo bokku liggéey moy lan kenn mo leen fi nekkal moy ki jëfëniko garab mi askan bi et lolou boko sété ñoo bokku liñuy def mais buñu sété que né ministère du commerce dafa japp privé bi ki nga xamné rek buñu soxla xaaliss fa ñu sét ci ko lutax ñu waxé que nonu moy buñu duggé ci téméri pharmacie danaka téméri pharmacie buñu fay joggé dinañ leen bindal ni fay leen ci li nga xamné nak état bi mom moko fi tek moy jaay garab au détail bi ke état bi indé mu sonal pharmacien mais pharmacien mu nangou ko mais yeen say fan lay fini sonalé moy dërëm bi ñaar dërëm bi lutax wéccu woko nit ki alors que gissoko pour wéccu ko nit ki ba taxna liñ am solo pour ñun moy ñu bolé won xalaat yi réviser taxi réviser arrêté yé ki pour que ñun ñëpp ñu bokk def liggéey bi nga xamné dina mëna jëriñ askan bi té ñu bañ jappanté manam inspecteur du commerce man japp pharmacien bi comme trafiquant comme délinquant bi nga xamné da fi nek tay di naxé wala di yok ay prix wala di jaay garab yu dul non.